Mario, Luigi, Wario ou encore Waluigi sont des personnages de premier plan dans cet univers de Nintendo. L'ensemble de la communauté aime ces personnages. Tout le monde les aime tous, mais pas concernant Waluigi. Celui-ci n'est pas aimé par quelqu'un ou plutôt quelque chose en particulier, Nintendo. Pensez-y, cela est évident. Waluigi n'a jamais été dans un seul jeu Mario grand public. Il n'a jamais été ajouté à Super Smash Bros. Alors que la communauté le réclamait. Mario, Daisy et même le flippant Wart ont fait une apparition dans les jeux Mario grand public alors que cela n'est même pas le cas pour Waluigi. Même pas dans Super Mario 64 DS où c'est Yoshi qui le remplace. Alors qu'il y a pourtant tous les plombiers dans ce jeu, à savoir Mario, Luigi et Wario, mais pas de Waluigi en vue. Mais pourquoi Nintendo jetterait-il un personnage qui est pourtant aimé par la communauté ? En fait, ce n'est pas le personnage de Waluigi en lui-même qui est néfaste, mauvais ou obscur pour la société, mais plutôt d'où il vient. On est tous d'accord pour dire que Nintendo a créé Mario, Luigi et Wario. Waluigi, lui, a été créé en fait par la société Camelot, celle qui a créé la plupart des jeux Mario Sport comme Mario Tennis ou encore Mario Golf. Maintenant cela dit, parlons de Super Mario Super Show, une série télévisée dans l'univers de Mario. L'un des épisodes était justement consacré à Camelot. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Waluigi ? En fait, dans cet épisode, on peut voir plusieurs personnages l'un à côté de l'autre. En réalité, on ne voit pas que Wario en jaune, mais bien Waluigi. Mais cela ne colle pas. Pourquoi Waluigi serait-il dans une émission qui a une décennie de plus que sa première apparition dans un jeu vidéo ? Nintendo était toujours très populaire à cette époque, mais avait une baisse dans cette même popularité et a voulu faire peau neuve avec un nouveau personnage, faisant donc un troisième frère Mario. Ils voulaient cependant en faire de quelqu'un de plus énervé et en ont donc fait de lui le méchant de ce nouveau film. En outre, c'est pourquoi dans cette séquence, si on mélange les deux couleurs des deux plombiers à droite de la séquence, la couleur obtenue sera du mauve, la couleur de Waluigi. Mais Miyamoto avait peur qu'ajouter encore un nouveau personnage pourrait amener à un désintéressement de la part des personnages vis-à-vis de la série, voire même de l'entreprise. Il a donc annulé le projet ainsi que le film. Mais des années plus tard, Wario avait besoin d'un nouveau partenaire. Après avoir fouillé dans d'anciennes conceptions de personnages, un gars du nom de Fumide Aoki a trouvé Waluigi et a décidé de l'utiliser comme partenaire de Wario. Cependant, alors que Nintendo a tout oublié à propos de Waluigi, Miyamoto ne l'a pas fait et il a décidé de ne jamais inclure Waluigi dans un jeu Mario grand public, parraine du personnage. Miyamoto resterait donc sur un préavis négatif de Waluigi et le laisserait donc à l'écart des grands jeux Mario au désarroi de la communauté. Ceci n'est qu'une théorie, mais l'interprétation qu'elle fait par rapport à la relation entre Nintendo et Waluigi n'est pas mauvaise. Et vous, qu'en pensez-vous ?